Oui, mais attention, pas n'importe quel homme. Oui, bah, ça c'est sûr, jolie comme t'es, tu mérites quelqu'un de bien. Hein. Marque-moi, je suis pas non plus, hein. Mais je tombe toujours sur des ringards. Hein. Mais c'est pas un homme pour ce que tu penses. Oh bon? Mais non, quand je dis pas n'importe quel homme, c'est qu'il m'en faut un spécial. Un homo, quoi. Bon? Au bar marche, c'est pas ce qu'il manque, hein. Aujourd'hui, vous courez les rues les uns derrière les autres. Non, mais tu rêves. Ah, si, si, je t'assure, il n'y a plus que ça. Quand je dis homo, je parle évidemment d'un homo erectus. Ah, erectus. Oui. Alors ça va être beaucoup plus rare, hein. Mais non, c'est du latin. Du latin. Oui, la langue des Romains. Eh ben, faut le savoir. Alors, je te traduis. Homo erectus. C'est du latin. Oui, mais ça veut dire un homme debout. Ah, voilà, voilà. Superman, quoi. Oui, alors si j'ai bien compris. Un homo erectus en latin, c'est Superman en anglais. Eh ben voilà, tu y es. Et en français, c'est quoi? Alors là, c'est un homme dans sa forme la plus pure, la plus belle, la plus achevée. Ouh, alors ça, ça doit être très très dur à trouver, hein. Ouais, d'ailleurs, je vois rien par là. Oh bah. Un coup de sucre pour être Spartacus. Spartacus, oui. C'est encore du latin, ça? Oui, Spartacus est un romain. Oh, bah oui, c'est ce que je pensais. C'est logique, tu es artiste, tu es une passionnée, tu fais un italien. C'est quoi, je me dis, hein? Oui, bah, il y a des jours comme ça. Oh là là, Spartacus, c'est le nom d'un esclave. Oh. D'un esclave affranchi, hein? Combien? Pas vrai, affranchi, un esclave libre. Oh, bah alors c'est plus un esclave. Non, si tu veux, mais il m'en faut un pour poser. Mais pour poser où? Poser Spartacus chez lui. Ouf, alors en somme, si j'ai bien compris, tu cherches. Un homo erectus pour poser Pantaxus. Ah voilà, c'était long que tu y es. Ben, on aurait dit que je comprendrais le latin aussi vite, j'aurais pas cru, dis donc. Eh ben, tu vois que c'est facile. Enfin bref, pour ce concours d'affiche à la gloire de la liberté, moi j'ai pris Spartacus comme sujet. Oh ben, j'ai tout compris cette fois. Ah, Spartacus donne un festin, tu vois. Oh oui, une grosse bouffe avec des nappes en rideau, des assiettes en faïence, enfin ouais. Ouais, bon, si tu veux. Ouais. J'ai avancé tant que j'ai pu sans Spartacus, mais maintenant il me le faut. Ah, oui. Attends, tu vas voir, je vais t'expliquer. Tu vas comprendre. Alors, eh ben viens voir. Alors, regarde, qu'est-ce que tu vois là sur ces coussins? Ben, on dirait que quelqu'un s'est couché dessus. Eh ben, tu y es? Ah, ben là, il n'y a personne, hein. Parce que c'est la place de Spartacus. Ah. C'est là que je vais l'étendre tout nu. Tout nu? Pour dîner? Eh ben, il risque pas de se tâcher déjà, hein. Marie-Louise, et si mon Spartacus est accepté, c'est 5 000 € tout de suite pour moi. Plus un engagement dans une agence de pub. Alors, je loue un atelier et adieu le piano et la tourlière qui râle. Oui, évidemment, vu comme ça, c'est intéressant, mais pour en trouver un, on va déjà savoir comment c'est fait, un de tes tapatus, là. Ah, ben alors, attends, je vais t'expliquer. Ah, vas-y. Alors, pose ton machin, là. Oui. Alors, hop là, Spartacus est musclé. Oh, ça va. Ouais, développé tes pectoraux. Oui, ouais. Et tes dorsaux. Le ventre plat. Oh, alors ça aussi. Le ventre plat. Je fais ce que je peux, hein. Bon, la narine renflée. Le front respire l'intelligence. Eh ben là, on va laisser tomber tout ça. Bon, alors la peau équilibrée, luisante au biceps. Et la lumière doit souligner la finesse des attaches et s'accrocher à la rondeur des glandes postérieures. C'est quoi les glandes postérieures? Eh ben les fesses! Ça faut le dire! Mais où est-ce que tu vas trouver un numéro des fesses en globe? Ouais, même s'il ne les a pas, il faut qu'il ait l'air d'un homme. Même sans les globes? Mais oui, avec n'importe qui, on s'arrange, on transforme. Seulement voilà, moi j'ai trouvé personne dans les académies. Les académies? Oui, c'est là que se réunissent les modèles. Ah oui, c'est comme qui dirait un chenille, on peut choisir son sens. Ouais, si tu veux. Mais en ce moment, c'est introuvable. Oh non, elle recommence. Elle est pour ses élèves. Ah, elle en a pas des élèves. Ah, c'est pour le cas où elle en aurait. Alors qu'elle en cherche. Oui, mais c'est que les élèves ne se réunissent pas dans les chenilles comme tes sacs à puce, là. Eh ben, elle a quand même une petite annonce. Une petite. Ah ben oui, là. Ah oui, c'est pas bête, ça, tiens. Ah, ben, merci d'avoir une idée pareille pour les arrêter de taper. Oh, bah, tiens, mais qu'est-ce qu'elle t'a entendu, moi? Eh, mais dis donc, j'y pense. Pourquoi t'en mettrais pas une, toi, de petite annonce? N'importe quoi. Pour elle? Mais non, pour toi, un rapport au Partexus, là. Enfin, bon, ton machin romain, là. Quoi? Bah, écoutez, moi, je voudrais dans une petite annonce. J'ai trouvé une magnifique cafetière. Ouais, mais entre une cafetière et un Spartacus, il y a la tête de la cafetière qui fait la différence, hein? Ouais. Pourquoi pas?
entends par là? C'est de l'abrégé. Ah ben c'est peut-être de l'abrégé, mais pour moi c'est pas clair, hein. Mais voyons, Marie-Louise, cher homme érect pour fille. Cherche, homo erectus, pour figurer Sparta. Tu seras, j'ai compris. Eh ben tu vois. Oui, en fait, l'abrégé c'est comme le latin, il suffit d'y faire, après ça suit son cours, hein. Oui, ben voilà. Ben voilà. Alors, par précaution, je vais quand même rajouter P, P, S. PPS, c'est de l'abrégé, ça? Oui, mais quand on est dans la peinture, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ben je sais. PPS pour Bam Spartacus. Oh, formidable. Mais non, PPS, pied, parfait, seulement en abrégé. Ouais, ça pourrait être abrégé, hein. Ça, oui. C'est que les pieds sont très importants. Hein. Alors, je me t'adresse. S'adresser demain, à partir de demain. Alors, voilà. Vous dites oui, c'est bon. C'est bien. Voilà. Si tu veux, je vais te l'amener tout de suite. Ah bah ouais, tiens, c'est une bonne idée. Ouais. Oh non, 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 là, je vais y aller moi-même. Je vais me faire être assommée par cette musique. On va pas s'arrêter, hein. Oh là là. Ralph-Ball, arrête. Ah, merde. Cherche, donner, leçon, piano, c'est LP. Enfin, tu crois pas?
chère donne le spiam. Ben, si tu veux, chère donne le spiam. Chère donne le spiam et tu me rajouteras PPS. Oh ben oui, PPS. Oui. Pied parfait seulement. Pardon? Eh ben PPS, pied parfait seulement. Mais pourquoi ça, pied parfait seulement? Ben à cause des pédales. Ah, non. Non, Marie-Louise. PPS, en langage piano, ça veut dire pur, préparé, soliste. Oui, bon, alors... C'est de l'abrégé. Alors ça, faut s'y faire, l'abrégé, faut s'y faire, hein. Plus dur que le latin. Bon, enfin bref, je mets l'adresse. Voilà. C'est génial. Oh non, 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 mais la tête qu'elles vont faire quand elles vont me voir avec des élèves. Oh ben ça, c'est du gourdasse. Ah, dis donc. Mais j'y pense. Mais j'y pense. Toi qui t'as toujours que t'es toute seule pour Oui, c'est ça. Là, pourquoi t'en mettrais pas une des petites annonces pour te trouver quelqu'un? Pour tomber sur un ringard? Ah non, merci. Hein. Mais non, mais pourquoi tu dis ça, Marie-Louise? Essaye. Tu risques rien à essayer. Essaye. Tu risques rien à essayer. Bon, allez, j'y vais. Dis donc. J'avais même pas pensé à ça. Tiens, c'est vrai. Alors, pas un mot. Oui. Je veux que les deux râleuses... Elle a surprise. Oui, oui, t'inquiète. Bon, allez, j'y vais. Et je veux que ça paraisse demain. Oh, je suis heureuse, ma Marie-Louisette. Oh, je suis heureuse, heureuse, heureuse. En tout cas, espoir fait vivre. Marie-Louise, Marie-Louise. Peu d'abord.
petite annonce. Hein? Une petite... Ça tout le monde bien sûr, une annonce. Oui, c'est obligé. Eh ben, rien, voilà. Eh ben, écoute, inutile d'attendre 5 minutes de plus. Allez. C'est comme si c'était fait. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Allez, presto!
été gentil de venir nous voir, vraiment. Non, non, mais vous verrez la suite, c'est pas mal. Non, il n'y a pas quoi sur scène, il y a pas de ça. Marie-Louise! On va se faire engueuler. Cherche, rencontre garçon.
Vous savez qu'un jour, dans une petite annonce, j'ai trouvé une paire de baskets. Alors j'espère que cette fois-ci, je finirai par trouver chaussures à mon pied, vous voyez le rapport? Basket, pied, pied, basket. Ah, elle est bonne celle-là, non? Non, vous voyez pas, bon, c'est pas le mal, hein? Oui, alors l'adresse, bon, l'adresse, bon, vous l'envoyez ici. Voilà, c'est ça, ici, voilà. Oui, vous l'envoyez ici, oui, oui, c'est ça. Allez, au revoir, madame. Petit bouchou. Je vais te dire.